Je salue tous les téléspectateurs, encore une fois, qui sont Alganet et avec nous, le député Caleb Deramo. Honorable député Nabdou, bonsoir et Nabdou, bienvenue dans Alganet. Alganet, c'est ça net, une télévision qui a fourni qualité ici dans New York. Et Nabdou, bienvenue. Bon, je salue Gagatidor. Et ça avec plaisir, vraiment, nous sommes là dans la Californie. Comme si nous devons faire de New York, c'est Californie, nous. Et nous faisons gros déplacements, ça, son déplacement. Et vous savez, nous-mêmes, ça n'a pas vivre. Nous, nous, là, pendant que nous regardons, nous, c'est un bagage extraordinaire que nous avons vivre là. Et je pense que l'étape intéressant pour chaque Haïtien qui a vécu, ça a passé là, dans la question de BLA. Oui, ça, hein? Je ne veux pas dire, c'est vous avez mis quoi là, pour faire virer. Et je ne veux pas dire, c'est un autre verse qui est sur vous, pour venir parler de FBLA dans la Californie. Parlez-nous, non, à qui vous avez fait déplacement ça pour venir ici dans la Californie? Bon, déjà, monsieur, vous avez fait part de l'initiative là. Et d'ailleurs, l'équipe FBLA Haïti a été écrite par moi même. Vous avez invité deux députés, c'est député Jude Jean avec moi-même. Moi-même, et monsieur, vous connaissez déjà, moi-même, on dit mon son de voyageur déjà. Non seulement depuis que je dis voyage, ça a toujours intéressé parce que le voyage, on découvre l'autre culture, on découvre l'autre monde, on découvre terre tout. Donc pour moi, c'était saleté, c'était un concours d'excellence. D'ailleurs, dans nos champs particuliers, il était expliqué son programme Merbergen, en 4 mois, il a fait mon bal anglais. Et c'est à partir de concours, c'est à partir de pratique ça, qui fait que des jeunes haïtiens viennent participer à nos compétitions comme ça et aux États-Unis. Maintenant, c'est dans le public speaking, non? Nous arrivons et décrocher qualité et gros mérite ça. Même penser. Dans pile l'autre domaine là, l'autre domaine de compétition d'excellence, si vraiment pays a l'État d'Haïti besoin de penser excellence, il faut nous engager nous pour nous faire Haïti participer grandiosement dans une compétition comme ça. Et enfin, où est Bayo, où est qui j'ai fait? Et je pense que je viens de parler de diaspora à Kounia là. Parce que je ne sais pas si je disais, mais il y a des gens qui ont bluffé nous déjà. Moi, je suis comme ça me parle. Ils ont bluffé nous déjà. Nous avons fait diaspora, nous avons fait porte-parole, fait nous travail. Mais je ne veux dire c'est sans mentir, puisque le député tabac, il est déplacé, il est venu ici dans la Californie pour venir vivre, pour venir nous, pour venir garder à deux pauvres yeux. Gros cause ça qui fait dans la Californie. Mais député, pas oublier nous deuxième, nous huitième. Ça te fait ça. Oh, son gros effet. Moi-même, franchement, je me détremblé parce que quand même, et lors du public speaking, aux États-Unis, ça veut dire, pour moun à l'aise, pour parler devant public en anglais, il faut une culture langue, il faut lever dans la langue, il faut un réflexe langue, et il faut qu'on vienne au monde ces langues. Donc imaginez qu'on y a deux jeunes haïtiennes, élèves l'école. Parce que pas oublier, non? L'école, moi-même, je fais secondaire, de 6e à fil, on fait 7 ans avec étudiant anglais. Mais 7 ans fait, ou pas, bon, peut-être, bon, suivant aptitude, ça va arriver que le vienne comprendre anglais. Mais 7 ans, pas suffit, non? Mais on dit, peut-être, mesdames, ça regarde en 3e seconde. Pour arriver 2e, non-compétition aux États-Unis. Et tout le monde qui a une compétition avant, qui a une concurrence avant, c'est anglais ou parler, environnement fait en anglais. Pour arriver 2e, pour arriver 8e, ça veut dire pour notre top 10, Haïti occupe 2 places en top 10, ce sont des choses extraordinaires. Extraordinaire, et je pense, moi, je me dis, et il y a des choses qui touchent tout, c'est parce que moi, dans la compétition, il y a un domaine concours qui est introduction à la procédure parlementaire. Gen youn ces procédures parlementaires. Bon, mes amis, c'est ça là, ça a pu toucher. Ça veut dire, gen jeunesse parlementaire en Haïti, oui. Gen parlement jeunesse, oui. Donc, ça veut dire, si vraiment nous voulons faire société, parce que pas oublier là, ça a passé là. C'est futur États-Unis, oui. C'est excellent, les États-Unis, ils commencent à préparer là, oui. C'est tout État qui a réuni, gen l'autre pays qui vient, oui. Ça veut dire l'on prend des États comme Washington, comme New York, Wisconsin. Donc l'on prend des États, c'est là et la pays a pensé.
Georgia, il a pensé. Donc ça veut dire c'est futur États-Unis où est tout le monde ça yo rassemblé là, des milliers de monde. Donc ça veut dire c'est vraiment c'est l'État américain. C'est l'État américain là, oui. Et l'État américain pour là, ça va le dire obligé de gagner ministre là, non? Ça va le dire le président Trump est supposé venir là, non? Parce que moi ça me tout le monde sous l'État. Pour arriver dans l'État, son élite lié, oui. L'État son élite. Il faut sortir dans le groupe de référence. Et le groupe de référence, ça, c'est lui qui vient mettre en haut. Je regarde là, comité 2017-2018, FBLA, comité national là. C'est des jeunes qui sont là-dedans, oui. Donc ça veut dire, c'est eux-mêmes qui ont pensé le pays, oui. Donc pour penser le pays, il y a une base à arriver, oui. Ce n'est pas l'arrivée au sommet, non, pour y aller fort. Il faut être fait dans la base déjà, oui. Donc moi, c'est important. Et je dis toujours tout le monde ça. L'important, je dis, pour commencer à penser élite dans le pays. Penser élite depuis l'école. C'est depuis l'école pour qu'on s'attire un avion demain. Et ce principe-là. Ce n'est pas que seulement l'éducation, on a parlé de l'école. Parce que là, c'est élève l'école qui a pensé maths financières, qui a pensé design, qui a pensé management, qui a pensé job interview, qui a pensé tout bagaille net. Donc, l'autre bon petit monde à 15-17 ans, l'île là, le livre dans 40 ans, où est-ce que ça passe? Son pays excellent, soit bien, oui. Donc moi-même, je m'encourage que c'est haïtien qui est dans la diaspora, que c'est haïtien dans le pays, côté me sortir, et côté moi-même, moi, c'est représentant de l'État. Moi-même, moi déjà dit tout le monde ça, moi, je vais servir de porte-parole à l'événement ça, parce que l'important pour nous commencer à penser excellence dans le pays, et mon exemple là, moi, c'est exemple ça, Haïti va passer à côté. Député, nous avons été pour nous dire merci. Et encore une fois, merci, merci, grand merci pour le voyage ça, où tu es fait. Venir sur Haïti pour venir en Californie, c'est déjà un paquet de bagages. Et où c'est un monde qui a passé de l'État à tout. Et nous avons merci encore une fois, député Caleb. Nous n'avons pas rien pour nous dire encore. Merci. Notre travail, nous pas bouqué. Et excellent ça, il faut payer à connaître tout. Merci. Second place.